Bonsoir, chers compatriotes, peuple de Guinée. La violence appelle la violence. C'est l'une des raisons que la violence ne doit pas être notre recours. L'heure est grave, notre armée nationale est menacée. Les citoyens guinéens sont menacés. Il est important de rappeler que notre armée est sacrée, que nous ne pouvons jamais payer le service rendu par l'armée à la nation. Nous sommes et nous serons toujours reconnaissants envers cette armée. Il est inacceptable, quel que soit le comportement de nos forces de défense et de sécurité, qu'elles fassent l'objet d'une attaque venant d'un ou des citoyens. J'en appelle donc à l'esprit républicain de nos militaires de ne entreprendre aucune action punitive contre la population, parce que cette population guinéenne ne représente que leur papa, leur maman, leur mari et leurs enfants. Avant d'être militaire, vous étiez d'abord des civils. Cette population ne compte que là sur l'armée guinéenne, parce qu'il n'y a pas de justice en Guinée. Donc, l'armée doit faire preuve de retenue. En Guinée, l'armée doit penser d'abord à cette pauvre population pour dire les choses telles qu'elles sont. Toute cette chienlit est organisée et orchestrée par le président Alpha Condé, parce qu'il est le garant de la sécurité en Guinée. Son mutisme, son silence est une face à toute cette pagaille, est une violation de l'article 5 de la Constitution guinéenne, qui dit que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'État a le devoir de les respecter et de les protéger. Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice. Le président Alpha Condé a juré devant le peuple de Guinée, sur la Constitution, devant la Cour constitutionnelle, à son article 35, en ces termes, je cite, moi, Alpha Condé, président de la République élu, conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale, en cas de parjure que je subisse la rigueur de la loi. Malheureusement, aujourd'hui, les populations civiles meurent. Alpha Condé ne bronche aucun mot. Il est là, silence radio. Les militaires sont déshonorés. Les militaires sont attaqués. Les militaires et les civils veulent s'attaquer. Alpha Condé est là, qui est le garant de tout, ne dit aucun mot. Alpha Condé est complice. C'est pour cela que j'aime à le dire souvent que les hommes intègres, les patriotes doivent prendre leur disposition. Alpha Condé n'a aucun sentiment pour la Guinée. C'est ça la vérité. S'il avait des sentiments, un chef de l'État, quand il y a un problème dans un pays, tu te lèves, tu prends ton micro et tu tapes sur la table. Trump le fait aux États-Unis, Obama l'a fait, les grands présidents le font, mais Alpha Condé s'en fout parce qu'il n'a aucun sentiment pour la Guinée, je le dis, je le répète. Il n'a pas de femme en Guinée, il n'a pas d'enfant en Guinée, il n'a pas de tante en Guinée, il n'a pas d'oncle en Guinée, il n'a aucun parent en Guinée, c'est pour cela qu'il s'en fout. Je demande aux hommes intègres, je demande à l'armée de ne pas céder, de ne pas de n'attaquer aucune population. De se ressaisir, ce n'est pas la solution. Et je demande à la population, aucun citoyen n'a le droit de toucher un cheveu d'un militaire guinéen, d'un policier guinéen. Personne n'a ce droit. Celui qui le fait doit subir la rigueur de la loi. Nous devons respecter notre armée. Mais Alpha est l'ennemi de la Guinée. Les présidents des institutions, Kori Koundiano, Rabiatou Sera Diallo, le président de la Cour suprême, Sima, parce on a plus de cour constitutionnelle. Ceux qui sont là-bas, ce sont des rebelles. Vous êtes là, Kassori Fofana. Vous êtes calme. La population est en train d'être tuée. On est en train d'agresser les militaires. Il y a une confrontation possible entre les militaires et la population. Vous êtes tous dans votre mutisme parce que vous avez peur de votre place. L'histoire vous jugera, le peuple vous jugera. Et vous allez répondre devant la justice. Dites à Alpha Condé de nous rendre le pays que le général Sékouba Konaté et Jean-Marie Doré l'ont légué. Il a dit qu'il a trouvé un pays, pas un État.
Le pays qu'il a trouvé, il y avait de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité en Guinée, c'est la jungle. Dites à Alpha Condé de nous rendre le pays qu'on lui a, que Sékouba Konaté et Jean-Marie Doré l'ont remis en 2010. Nous, on va fonder notre propre État. Comme il n'y a pas d'État, il a ramené la jungle. Il n'a qu'à repartir avec la jungle en France. L'heure est très grave. Je suis au sérieux. Il faut que les hommes intègres, les patriotes guinéens, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau des civils, se lèvent comme un seul homme, barrer la route à Alpha. Il s'en fout. Même si toute l'armée mourait aujourd'hui, Alpha Condé s'en fout. Il veut rester au pouvoir. Même si la Guinée sombrait aujourd'hui, la population, l'armée s'entretuait, il s'en fout. Il veut rester au pouvoir. C'est pour cela qu'il est calme, il ne parle pas, il s'en fout. Nous devons réfléchir. Et vous, des hommes qui ne parlent pas, qui consomment, qui regardent les choses se faire, vous allez répondre devant l'histoire, devant les hommes. C'est pour cela que je continue à le dire toujours, que Allah bénisse la Guinée, que Allah maudisse tout Guinéen qui est en complicité pour rendre ce pays dans, maintenir ce pays dans la misère et rendre les Guinéens malheureux. Et tout citoyen, qu'il soit politicien, qu'il soit qui que ce soit, qui est à la base de ces violences et qui est en train de mettre la Guinée dans la misère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu vous bénisse. Mais Alpha Condé est notre problème. Il faut qu'on résout ce problème. Je vous remercie.